Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un big haul. Action, Stokomani, Zeeman, Lidl et Nyx. Allez, on commence par Zeeman. Donc j'ai trouvé des tricotins comme ça chez Zeeman, comme ceux de chez Action, à 2,99€. Et des lettres comme chez Action en bois, 2,99€. Et il y avait des caleçons Lee Cooper pour hommes à 2,99€. J'ai acheté des gants pour mon fils en polaire à 1,49€. Voilà, c'est tout pour Zeeman. Donc là, on va continuer par Action. Donc j'ai acheté des dentelles autocollantes à 0,99€. J'ai acheté du Galac à 1,49€. Il est au spéculos. J'ai repris les bonbons style langue à 0,99€. J'ai acheté un petit photophore noir avec comme des bambous dessinés. Dedans, c'est gris à 0,49€. J'ai acheté une petite boîte de rangement blanche avec un flamant rose à 0,38€. J'ai acheté un fond de teint ou poudre libre Max & More à 1,59€. J'ai acheté un mascara à l'huile d'argan, 1,19€. J'ai acheté un lot mascara crayon ombre à paupières. Alors elles sont violettes. J'ai fait les swatchs ici. Si vous voulez voir quelque chose. C'est violet. C'est rose gold. Voilà. Oh, j'ai fait mon maquillage tout à l'heure en 3 secondes avec. Je sais pas si c'est bien fait pour les essayer. Donc ça valait 1,69€. Très joli. J'ai acheté un masque. Il est aux extraits de vin et rétinol à 0,59€. J'ai acheté un câble pour iPad première génération à 1,69€. Alors cette semaine, il y avait des tortellini à la viande et aux épinards d'une autre sorte à 0,99€. Des gnocchis de pommes de terre à 0,79€. Des rochers à la coco à 0,99€. Des lions aux noisettes à 1,99€. J'ai repris ma laine à 2,99€ pour finir mon écharpe. Il y avait des tatous blancs. On peut faire ça avec des petits strass là. 0,02€. J'ai acheté un stock de 75 bougies qui durent 6 heures. Ça, c'est 2,99€. Alors, j'ai trouvé en nouveauté pour Noël un emballage comme ça à glissière avec des petites maisons. Alors, ils disent que la crème sent le marshmallow. Alors, je trouve pas que ça sent le marshmallow, ça sent plutôt le bonbon aux fruits. Et là, j'ai pas ouvert, ils disent que ça sent le pudding, hein, c'est un gel douche. Et ça valait 4,95€. C'est cher quand même. Pour ce que c'est. Ça, il y a une petite étiquette avec où on peut marquer son nom et à qui on l'offre. Bon, moi je l'ai pris pour moi parce que le marshmallow, j'adore, mais ça sent pas trop le marshmallow. Ça sent plutôt le fruit. Voilà pour Action. Je crois que j'ai rien oublié.
Alors, à Stokomani, j'ai acheté cette brosse-là à 1,99 €. Elle est très bien, elle dissalisse les cheveux. Ça fait pas mal. Elle est pas mal. Elle arrache pas les cheveux, ils disent que ça abîme pas les cheveux. Pour le prix, 1,99 €. Donc on va passer à NYX. J'étais à NYX à Toulouse en ville. Alors je voulais un NYX lingerie, mais je n'en avais pas du tout. Les teintes qu'il y avait, c'était des teintes très très claires, très très pâles. L'embellissement, celui que je voulais, il n'y est pas, il est en rupture dans le monde entier, donc impossible à trouver. Alors j'ai acheté un rouge à lèvres mat, comme ça, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Ça vaut 6,79 € je crois. J'ai acheté la base qui égalise le teint et réduit les pores, les rides. Voilà, ça coûte dans les 7,49 € je crois. J'ai acheté un pinceau pour faire l'anti-cerne. Il vaut plus de 10 €, 10,49 € je crois. Et un anti-cerne en couleur CW05. Voilà. C'est dans les 7 € aussi. Voilà pour NYX. Donc j'ai été chez Lidl ce matin, il y avait les pyjamas. Alors c'est un bas de pyjama. Il est rose à carreaux, il est doux. Voilà, ça vaut 5,99 €. Et ensuite, il y a une gamme bio maintenant chez Lidl. Donc j'ai pris pour essayer plusieurs choses. Du pain de mie bio, 1,31 €. J'ai pris des pâtes bio Panier Rigatté, 0,75 €. J'ai pris des gâteaux chocolat au lait 1,39 € et des cookies aux pépites de chocolat bio toujours 1,29 €. Ah non, je suis allée chez Jiffy aussi et j'ai acheté ce gros plaid tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Il est rose, il est doux, il est doux, quel chaud, il est trop bien. Et bien, je vais aller ranger tout ça maintenant. Je vous fais d'énormes bisous et vous dis à bientôt pour un autre haul. À bientôt, bisous!